la séance que je vous propose est une séance qui est centrée à la fois sur la recherche du fonctionnement des chevaux, gymnastique des chevaux, qui se relie complètement au travail sur le plat, c'est-à-dire des chevaux qui soient à la fois disponibles, à l'écoute, avec une certaine communication avec les cavaliers, et puis également l'esprit de pilotage de la part des cavaliers, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une séance dans laquelle il faut que les chevaux soient à l'écoute, capables d'utiliser leur motricité, leur habileté, et puis en même temps qu'on ait des cavaliers qui comprennent quelle est la logique de l'enchaînement de travail sur des obstacles successifs, et comprendre comment on construit des enchaînements comme ça rapprochés, en ayant le meilleur pilotage qui soit et la meilleure communication qui soit. Et on part d'une détente dans laquelle le cheval s'installe progressivement et les cavaliers trouvent la communication. Et nous allons le valider en début de séance sur des barres au sol. Ce sont des repères que nous posons au sol et qui permettent de construire le mouvement du cheval, c'est-à-dire la trajectoire, à la fois dans l'axe longitudinal, je la franchis d'une certaine façon, et aussi latéral, je passe à un certain endroit. C'est cette relation qu'on a déjà vue sur le travail sur le plat, qui est la relation entre le latéral et le longitudinal. Moi, je les incite à travailler à la fin de la détente sur des barres au sol, de façon à ce qu'ils trouvent le galop qui est le plus utile. Et en même temps, puisque je mets des barres au sol successives, je donne déjà une idée de ce que je vais retrouver tout à l'heure dans les lignes, que je vais avoir des amplitudes qui me rapprochent de ce que je vais rechercher sur les successions de sauts, qui permet de préparer chevaux et cavaliers. Après, je peux utiliser des petits cavalettis qui rajoutent des petits franchissements et automatiquement qui créent une dynamique. Les chevaux s'installent dans une autre dynamique et les cavaliers doivent être au contrôle pour pouvoir ne pas modifier complètement le comportement du cheval, malgré le fait qu'il y a des petits sauts qui apparaissent. Puis on rentre peu à peu dans la séance, et dans cette séance-là, on va déjà relier deux obstacles successifs l'un à l'autre, en essayant de centrer les cavaliers, à la fois sur la notion de respect d'un galop constant, qui va se concrétiser par une amplitude régulière, par un contrat de foulée, dont je leur parle, et puis également, vous avez vu sur le premier enchaînement, on a un enchaînement sur courbe qui va nous permettre de marquer cette notion de conduite. Et la conduite qui est le choix d'un tracé, donc d'une distance. Et évidemment, moi, le tracé que je leur propose, il va de la perpendiculaire d'un obstacle à la perpendiculaire du suivant, ce qui permet au cheval de construire correctement ses sauts. Et pour nos cavaliers, c'est important de bien apprendre à centrer l'abord du cheval, de façon à ce qu'il passe d'un centre à un centre, et pour le cheval, de façon à ce qu'ils construisent à chaque fois une bonne qualité de saut. Puis après on en rajoute, c'est-à-dire que deux sauts, puis trois sauts, et automatiquement on va avoir une relation qui s'opère entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième. Et vous allez vous apercevoir que quand il y a trois sauts, la façon d'aborder le premier a une incidence sur la façon d'aborder le dernier. C'est-à-dire que si je rentre très près du premier, je vais avoir tendance à laisser accélérer mon cheval pour aller sauter le deuxième. Automatiquement, je suis un tout petit peu loin du deuxième parce que j'étais près du premier. Et comme je laisse accélérer un peu mon cheval, je vais être très près du dernier. Et vous voyez, il y a une relation inversée. C'est-à-dire que je saute le premier en étant très près, je suis loin du deuxième, je suis très près du troisième. Et ça, c'est des notions qu'il va falloir apprendre à gérer. Nous, cavaliers, si on veut être des bons pilotes, il faut qu'on apprenne à réguler le mouvement de nos chevaux en anticipant sur l'incidence que peut avoir ce que je suis en train de faire sur ce qui va apparaître tout à l'heure. À moi de gérer ça. Alors vous voyez, on rentre dans une certaine complexité. C'est pas que le cheval et moi, c'est le cheval et moi avec le parcours, dans la relation que je peux avoir avec le parcours. Alors lacune des cavaliers amateurs, quand on parle d'obstacles, on a automatiquement un stress qui apparaît. On a l'impression qu'il faut rajouter quelque chose pour sauter au-dessus de l'obstacle, ce qui est complètement faux, c'est-à-dire que le cheval est un animal puissant. Heureusement qu'on n'est pas obligé de lui insuffler plus d'énergie pour sauter. Donc la première lacune, la plupart du temps, qui est aussi liée au stress, c'est de se dire « il faut que je fasse quelque chose pour aller sauter ». Et en faisant quelque chose, en rajoutant quelque chose, on déstabilise. Et le cheval, lui, reçoit le message de, la plupart du temps, « je dois accélérer pour sauter ». Et en accélérant pour sauter, il a tendance à vous échapper. Automatiquement, vous êtes obligé d'être contraignant derrière, voire incisif, voire caustique, exigeant, pour essayer de le récupérer. Mais en fait, la plupart du temps, on construit notre malheur parce qu'on a tendance à rajouter de l'énergie et à ouvrir les vannes, entre guillemets, pour aller sauter. La bonne solution, c'est de se dire, je vais accepter d'aller sauter en gardant un galop constant. Et au début, je mets des petits sauts de façon à ce que je ne sois pas incité à modifier la dynamique de mon cheval à la bourre. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, ça va être d'avoir envie à tout prix de savoir où le cheval pose les pieds. On a envie de savoir si ça vient bien ou pas. Et automatiquement, en faisant ça,
on a tendance à figer le cheval dans la zone de pré-abord, de façon à se donner le temps de voir ce qui se passe. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'en faisant ça, on perturbe la dynamique du cheval, qui va avoir un moins bon galop et qui va réaliser un moins bon abord. Donc si on veut réellement avoir une bonne qualité d'abord, il faut accepter de continuer à avancer jusqu'à l'obstacle dans un galop régulier. Et ça, pas facile. La plupart des cavaliers ont énormément de mal à le faire. C'est une histoire de lâcher prise. C'est-à-dire être suffisamment relâché pour accepter de continuer à progresser vers l'obstacle, malgré le fait que pour l'instant, on n'est pas sûr de ce qui va nous arriver. Et il faut accepter de se dire, ça va se dessiner à la fin. C'est exactement cette histoire de je lâche prise pour accepter de progresser vers mon obstacle. Et ça va se décider, ça va se définir à la fin, je vais le ressentir. Je n'ai pas besoin d'appréhender, ça va arriver.